Distance de freinage. Voilà un petit exercice qui va faire plaisir à la sécurité routière. Bien, nous avons ici une voiture qui est mal dessinée, qui va avec une vitesse V qui est de 50 km/h, route départementale, on profite du soleil, tout va bien. Au bout d'une distance D égale 15 mètres, la voiture stoppe. On freine, on appuie sur le frein avec une force constante. Qu'est-ce que je vous demande dans une première question? Eh bien, que vaut la force de freinage? Et dans une deuxième question, je vais vous demander quoi? Eh bien, imaginons que cette fois-ci, vous soyez à 90 km/h. Quelle est la distance de freinage, sachant que la force de freinage sera identique à celle que vous avez trouvée dans la première question? À vous de jouer, vous qui venez de passer le permis. Le TEC va nous permettre de trouver la réponse à ces questions. Le TEC, théorème de l'énergie cinétique. Bien. Donc le TEC nous dit quoi? Que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures agissant sur le système voiture. Il faut dans un premier temps faire quoi? Eh bien déterminer quelles sont toutes les forces extérieures. Eh bien, il y a le poids P. Il y a la réaction RN normale de la route qui empêche la voiture de s'enfoncer. Et puis, il y a cette fameuse force de freinage, hein, F, supposée constante. Passons à la somme des travaux des forces extérieures. Eh bien, le travail du poids P, que vaut-il? P étant constant, c'est P scalaire, le vecteur distance. Or, la distance d, elle est égale à petit d fois le vecteur i. Le point P, il est perpendiculaire au vecteur d. Donc, ici, tout de suite, le point P, son travail, il est nul. De la même façon, la réaction Rn, elle vaut Rn scalaire D. Cette réaction normale, son travail est nul. Pourquoi? Parce que Rn, si je le modélise par un seul vecteur ici, eh bien Rn est perpendiculaire à D. Donc ça c'est fait. Il nous reste quoi? Il nous reste à trouver quoi? Eh bien le travail dû à quoi? À la force de freinage. Je vais pour cela, eh bien, mettre la valeur d'un travail élémentaire effectué le long d'un petit chemin DL. Donc le travail élémentaire, il vaudra quoi? Eh bien, F scalaire DL, DL étant un petit chemin ici. Or, DL vaut quoi? On a uniquement un déplacement sur l'axe des X. Donc ce DL, il est égal à quoi? Eh bien, DX fois I. Autrement dit, le vecteur force scalaire DXI vaut quoi? Eh bien, la force de freinage, elle est comme ceci, opposée au mouvement et dans le sens contraire à l'axe. Dans le sens contraire, vecteur i. Autrement dit, f vaut quoi? Moins f fois i fois dx i. Ce qui me donne pour le travail élémentaire de cette force de freinage, moins f fois dx i scalaire i vaut 1, donc moins f fois dx. Si on cherche le travail total de la force de freinage, que vaudra-t-il? Eh bien, l'intégrale de moins f fois dx de 0 à x final, c'est-à-dire moins f fois eh bien, x final moins 0. Si je prends x initial à l'abscisse x égale 0, ça nous fait donc moins f fois d, d étant la distance parcourue. Voici pour le travail de la force F. Utilisons maintenant la variation d'énergie cinétique. Variation d'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique finale
moins l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique finale, elle est nulle, puisque la voiture, elle s'arrête. Hein. Donc ça fait 1/2 de MVF carré, VF étant nul, cette énergie cinétique finale est nulle. Moins 1/2 de MVI carré. La variation d'énergie cinétique est égale au travail de la seule force qui travaille, hein, c'est-à-dire le travail de la force de freinage, ce qui implique que 1 moins 1/2 de MVI carré égale moins F fois D. Et ça y est, on a la norme de F. La norme de F est égale à quoi? Eh bien, 1/2 de MVI carré divisé par D. Vérifions les unités. On sait qu'un travail, c'est quoi? C'est tout simplement une force fois une distance. Donc l'unité de force, ce serait quoi? Si ça, c'est des joules, si ça, c'est des mètres. L'unité de force, ce sont des newtons, mais ça peut être également des joules par mètre. Donc ici, nous avons des joules par mètre. 1/2 de MVI carré, c'est une énergie cinétique, c'est en joules, divisé par une distance, joules par mètre. Ouf, ça y est, c'est bien homogène, je peux passer à l'application numérique. Attention aux unités. 1/2 fois M, la masse, elle est de 1500 kg. C'est l'unité légale, 1,5 fois 10 puissance 3 kg. Divisé par la distance de freinage, 15 mètres. Multiplié par quoi? Eh bien, la vitesse au carré. Attention, 50 km par heure. Il faut que je le mette en mètres par seconde. 50 km, c'est 50 fois 10 puissance 3 mètres. Et une heure, c'est quoi? Eh bien, c'est 3600 secondes. Le tout au carré, attention. J'ai bien des mètres par seconde. Ce qui nous donne, pour la force F, 9,6 fois 10 puissance 3 newton. Voici pour la force de freinage, supposée constante, qui permet à la voiture de s'arrêter au bout de 15 mètres si elle va à une vitesse de 50 km par heure. À vous de faire le petit 2 maintenant. Deuxième question, on va donc déterminer la distance des primes permettant au véhicule de s'arrêter quand sa vitesse initiale vaut V' égale 90 km par heure. Eh bien, on va tout simplement, très habilement, se servir de la réponse que nous avons trouvée dans le petit 1. La force de freinage, 1/2 de MVI carré sur 2D. Ou 1/2 de MVI carré sur 2D. Ouais, enfin, je vais le dire. Bon, allez, on y va. Alors, cette fois-ci, la force de freinage étant constante, on va l'appliquer pour ce deuxième cas. Ça nous donne donc 1/2 de M fois la vitesse initiale, elle vaut quoi? Ben, c'est V', hein, V' carré, divisé par la distance qu'il faut, cette fois-ci, D' que l'on cherche. On va simplifier ces deux termes par 1/2 par M. Et on va avoir donc, par conséquent, D' qui est égal à quoi? Eh bien, D fois V' carré sur VI carré. Ou, ce qui revient au même, D' égale D fois V' sur VI, le tout au carré. On va faire l'application numérique. Inutile de traduire les vitesses en mètres par seconde. Pourquoi? Eh bien, D, ça, c'est 15 mètres. Fois quoi? V', c'est 90 km par heure. Et on divise ça par 50 km heure moins 1. Voilà. Le tout au carré. Ce qui nous donne une distance D' d'environ 48 mètres. 48 mètres, environ 50 mètres. C'est énorme. Imaginez que vous soyez dans un virage et que là, devant vous, vous ayez un obstacle, par exemple, une biche morte, ou un camion renversé, ou une vieille dame qui a du mal à traverser, il va vous falloir 50 mètres pour vous arrêter. Donc, faites attention. Conseil du jour.